Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Hypnotic Park, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur The Order 1886. Alors que nous étions laissés la dernière fois après avoir tenté, de entrer en infiltration dans le QG de la United India Company. Nous avions réussi à mettre le frère d'Izzy, je sais plus déjà son nom, vous savez mon... Ma grande mémoire pour les noms, donc on avait convaincu son frère de venir avec nous, de nous faire confiance, parce que oui, la chef des rebelles nous avait démontré que, la United India Company tente d'amener des vampires, dans les différentes zones. En Amérique, on va y arriver là, parce que j'étais concentré. Faut que je me remette un petit peu dans le jeu. Ça fait un petit bout que je n'ai pas touché. Vous avez vu, les derniers épisodes, il n'y a pas eu de bug. Ça devrait être ainsi pour à peu près tout ce qu'il y a, tous les prochains épisodes. Là. En principe, si je ne me suis pas mélangé dans mes paramètres de vidéo. Ah, il m'a vu. On est automatiquement mort, je vous rappelle qu'on ne doit absolument pas être vu, c'est notre objectif. Bon, petit chargement quand même assez long, donc je vous rappelle l'objectif, je peux cliquer dessus pour vous le montrer. Ah, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas vous montrer l'objectif. Bon, vous voyez, il y a un ennemi juste ici, cette fois-ci on ne perdra pas trop de temps à aller l'assassiner. On doit assassiner tout le monde. On doit trouver une clé, si je ne me trompe pas, pour ouvrir une grille. Voilà. Pas de clé. Exactement, donc on doit trouver une clé. Il y a un garde juste ici, on va quand même faire attention. Pour ne pas se faire voir. Parce qu'on sait que ça annule automatiquement si on se fait voir. C'est étrange que je peux pas cliquer pour voir notre objectif. Mais bon, on s'en souvient un peu, on doit trouver une clé là. C'est pas très difficile. Fais attention là, il y a un ennemi juste là. Oh merde. On va rester caché. C'est dommage de se faire voir là. Essayer d'y aller subtilement. Ah, je suis concentré, comme voyant ce début d'épisode, parce que je sais qu'on l'avait recommencé deux fois et je veux pas trop recommencer. Toujours pas de clé, j'imagine. Non. Avec la musique toujours aussi prenante. Vraiment, ce jeu, je kiffe. Hein. Réellement, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, j'adore le jeu. Non, toujours pas. On a un balette aussi, mais on a juste 5 balles. Donc c'est pour ça que je les garde. Je les garde au cas où. Allez, viens me voir. Viens jusqu'ici. Allez, viens. Bon, si je tourne, sinon on va aller dans son dos, mais... Il va se tourner. Y a-t-il une clé, celui-ci? Il reste encore des gardes à fouiller. Faut quand même que je fasse attention parce que je ne sais pas où sont nécessairement tous les gardes. Je devrais pas me faire voir que la mission s'annule alors que là on est bien. On est bien avancé. Ça va bien. J'ai oublié de désactiver mes notifications Steam et là vous les voyez parce que je vous rappelle que pour tourner
Avec ce jeu, eh bien, je dois. Là, je vois la lumière là. Donc, comme je le disais, pour tourner avec ce jeu, je dois faire une capture de moniteur. Donc, c'est mon écran au complet. Tout ce qui se passe sur ce moniteur là. Ah, il y a un ennemi juste là. On va faire attention. Regardez un petit peu son pattern. Quand même faire attention parce qu'il pourrait se retourner. Donc je préfère attendre de regarder un petit peu comment il agit. Vous voyez bien, il s'est retourné. Donc on a bien fait. Ah, il va venir ici. C'est parfait ça. Viens ici. Voilà. Toujours pas de clé, j'imagine. Non. Il y a deux gardes plus bas. Il y en a un ici. Et il y en a un petit peu plus bas à droite. On va commencer par celui-ci. Espérant qu'il se tourne. Donc c'est ce que j'espérais qu'il fasse. Je fais attention au garde à droite là pour pas qu'il vienne me voir dans mon dos. Voilà. Y a-t-il... Non, toujours rien. D'accord. Il y a un garde de ce côté. Non? Merci, parce que là, s'il ne voulait pas se camoufler, on était un petit peu dans la merde, comme dirons-nous. Donc, début d'épisode, quand même, infiltration. On va essayer de pas se faire voir. Ah oui, c'est parfait, là. Si tu passes de l'autre côté, moi, je fais le tour de toi. Non! Mais pourquoi il m'a pas mis? Je vais devoir recommencer, je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain, ça me fait ça depuis le début. Ah, et merde. Mais pourquoi il m'a pas affiché le truc? Réellement, là. Donc les amis, ce qu'on va faire, je n'ai pas le choix, je vais vous faire une ellipse parce que ça vient beaucoup trop long. Je vous ai déjà fait deux fois, eh bien de ce côté, je vous ai déjà fait deux fois lorsqu'on s'était vu. On va rattraper lui avant qu'il aille trop loin. Donc je vais refaire sensiblement la même chose et on se retrouvera bien après cette courte ellipse. Allez, à tout de suite. Re les amis, on est de retour. Donc, je viens de tuer le garde qui avait la clé. On doit donc se rendre au jardin inférieur. Mais là, je vais faire attention parce qu'on sait jamais s'il y a d'autres gardes. En principe, j'ai tout tué les gardes de cette zone. Mais on fait tout de même attention, on sait jamais. On va déverrouiller la porte. En principe, j'espère aussi que ça l'a sauvegardé. Juste des trucs ici, on va faire. On va regarder, on a récupéré des armes d'arbalète et il y a aussi un journal. Et là, vous avez l'image gelée, je ne sais pas pourquoi! Mais pourtant, tout est correct là, tout allait bien, là. Tout allait super bien. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Principe, tout va bien là. En principe. Je vois pas pourquoi ça l'a bogué. Je suis désolé. C'est plus supposé de boguer. On a fait tous les réglages. Je vous ai rappelé, la dernière épisode, il n'y a pas eu aucun bug. C'est étrange, tout de même. C'est étrange. On va aller déverrouiller cette porte. Là, je sais pas du tout combien de temps l'épisode va durer. Une drôle de clé, d'ailleurs. Je viens dans Ah, Lucan, qui s'appelle. On doit encore s'occuper de garde. C'était extrêmement dangereux ce que je viens de faire, mais bon.
n'en parlera pas. Donc assure-toi qu'on peut rentrer. Est-ce que c'est ici qu'il veut rentrer? Parce que si, ici, c'est verrouillé là. Peut-être passer vers le haut encore une fois. Donc encore mission d'infiltration. Que j'imagine si on se fait voir, c'est la fin. Ici, c'est un cul-de-sac. Ah, il m'a vu. Mais là, en principe, ça devrait avoir sauvegardé à l'endroit où on s'était arrêté. Où l'on s'était arrêté. Donc, assure-toi qu'on puisse rentrer. Ouais, c'est ça, c'est bien là. Ah, il est là. Petit bug, hein, d'ailleurs. Donc, on le sait qu'il y a d'autres gardes. Viens ici, toi. Voilà. Donc, chose maintenant faite. On doit s'assurer qu'on puisse rentrer. Mais je m'attendais pas qu'il y avait des gardes de ce côté. Oh, on les voit au fond. Il aurait fallu que je regarde. N'est-ce pas, Hypnotique Mark? Tu n'as pas regardé. On va passer vers le bas. Parce que vers le haut, ça m'a l'air beaucoup trop dangereux, là. Donc, c'est ici que nous sommes rentrés. Quand même rendu loin. On va y aller doucement. Non! Mais pourquoi il s'est retourné? Ils font des trucs chelous, les gardes. Réellement. Ils se retournent comme ça, hein, sans aucune raison. Moi, je me retourne, je suis comme ça. Je suis retourneur professionnel depuis que j'ai 10 ans. Ouais, il m'a vu, voilà. Oh, j'haïs cette phase. Réellement cette phase, parce que il faut savoir que dans The Order, vous avez une vie, vous recommencez à chaque fois que vous êtes mort, donc c'est un peu dommage. On va attendre qu'il passe devant nous, on va le tuer, on va recommencer où on était, parce que nous aimons recommencer, recommencer, recommencer les mêmes choses, sinon je vous ferai encore une ellipse, ça sera l'épisode d'ellipse. Voilà. Bon, maintenant c'est chose faite. On va aller peut-être se dépêcher d'aller de l'autre côté. Je sais pas s'il va nous voir si on passe par en bas. En principe, non. En principe, à la vitesse que je marche, il devrait pas m'entendre. Voilà. Donc. Ah d'accord. Donc monsieur est là, et là vous voyez ce qu'il y a sur mon PC, voilà. Ah voilà, tu TP comme ça toi? Ça me fait peur. Bon, on va pouvoir infiltrer le QG de la United Company. Tu veux que je fasse un trou là? Ah d'accord. Et après, charge-toi de l'aile ouest, je prends la partie est. Faudrait mieux couper toute communication. C'est vrai. Tiens, rendez-vous à l'intérieur. D'accord, on est toujours pas à l'intérieur. Donc ça sent le crochetage. Ouais, exactement. Espérons qu'il ouvre pas la porte pendant qu'on essaie de crocheter, hein. Ça serait utile. Je me rappelle plus trop comment faire, donc je regarde un peu, et là, il y a ça. Il vous spawn dans la passe. Je m'excuse. Donc. Voilà, et... Voilà. Il serait un peu chelou dans ce monde, d'ailleurs. Sauvegarde! Enfin, dirons-nous! Éliminer tous les ennemis de l'aile ouest. Ouf, ce sera pas évident, ça, je dois avouer. Ce ne sera pas évident. Donc, on va continuer encore un petit peu, hein, étant donné que je ne sais pas
Combien de temps tout ça dure? Dû à l'ellipse que j'ai fait, je ne sais pas combien de temps cet épisode va durer. Bonjour, vous ne m'avez pas vu, très cher. Voilà, la première garde éliminée. Ah, c'est bien. L'Ouest, c'est là, il faut éliminer tous les ennemis. Ce sera pas évident, j'ai comme l'impression. Là, vous avez l'image, je l'ai, mais que se passe-t-il? Oh, mais aujourd'hui, ce film. Ah, vous l'avez vu, les deux derniers épisodes, aucun lag, j'utilise exactement les mêmes settings. Donc les mêmes paramètres, exactement les mêmes. C'est étrange. Je regarde un petit peu là. Ça vous a débloqué, mais pourtant je le vois, mon processeur est pas à 100%. Mais qu'est-ce qui me radote? Fermer les petits trucs là qui prennent quelques pourcentages. Mais en principe, tout devrait bien aller. En principe. Donc je comprends pas. Je vais regarder pour le prochain épisode. Je tournerai pas le prochain épisode tout de suite. Je vais attendre. Là j'avais prévu peut-être tourner deux épisodes, mais je vais attendre. Étant donné qu'il y a des petits lags, je vais regarder de mon côté après cet épisode. Pourquoi encore? Alors que j'ai de la mémoire supplémentaire, que j'ai rajouté plein de trucs. Il y a un ennemi juste ici. On va se le faire. On est peut-être été trop rapide. On ne bougera pas. Restons silencieux. Je m'en doutais qu'elle allait partir si. Je m'en doutais qu'elle allait partir si nous restions silencieux. Là, il y a un gars juste en avant. En principe, il devrait pas me voir. Subtilité, on s'en repassera pour. Il y a pas mal d'ennemis qui sont collés, c'est assez dangereux ce qu'on fait. C'est même très dangereux ce que l'on fait. C'est des ennemis collés à plusieurs endroits. Mais là, elle a pas l'air si grande que ça. On a presque terminé à ce que je vois. Ah non, merde, il m'a vu. Le dernier ennemi. Je suis sûr que c'était le dernier en plus. Donc les amis, bah je crois qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas du tout là. C'est pas mal, on reprend dehors au moins. Donc, je ne sais pas du tout combien de temps ça fait l'épisode. Je vais pas tourner tout de suite. Je vais m'assurer juste avant de. Pourquoi on a eu des freezes alors que la dernière fois on a eu aucun freeze. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode de The Order. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure ou toute autre vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vos commentaires et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao!